Colette Mays loves to play the piano. She's 106 years old and still plays for at least 4 hours every day. She cannot imagine life without her beloved instrument. Mon rapport, il est physique, je le touche, parce qu'un piano, ça se caresse. Les notes chantent différemment suivant que vous les parlez, suivant que vous les prenez, comme ça avec le bout du doigt. Colette was born into a French upper middle class family in 1914. She started learning the piano at the age of 5. Even as a child, music helped her escape her strict upbringing and enter her own carefree world. J'avais peur. Très sévère et très froide, et qui n'aimait pas les enfants. Ma grand-mère, oui, mais ma mère, non. Donc, j'avais peur. Quand elle venait, j'avais peur de recevoir des gifles, parce que j'ai toujours fait une bêtise, je ne savais pas laquelle. Mais... Donc, le piano, c'était un moment de tendresse pour moi. When she was 15, Colette attended the Paris School of Music and later worked as a piano teacher. She's been playing the piano for over a century now, but she didn't publish her first album until she reached the age of 84. Her son, Fabrice Mays, supports his mother. Elle a pu traverser, comme tout le monde, beaucoup de vicissitudes, de problèmes, voire de tragédies et autres, mais dès qu'elle se remettait dans sa bulle de piano et musicale, eh bien, ça lui redonnait de l'énergie, de la passion, de l'enthousiasme, et c'était reparti. At the age of 106, Colette still feels pretty agile and not particularly old. C'est une idée qu'on se fait parce qu'on se dit qu'on est vieux. La jeunesse, elle est intérieure. Ma mère, je l'ai toujours vieille. Elle avait toute sorte de qualité, mais elle était vieille. Voilà. La jeunesse, c'est éternel. On l'a ou on l'a pas. Despite her age, Colette Mays is still highly active. She says being passionate is key. Je pense que tout est découverte. Il faut être émerveillé de tout. On va pas être blasé. An attitude that seems to be working wonders for her health. Elle n'a jamais eu de problème majeur, hormis les problèmes auditifs et de vision. Et puis maintenant, elle a trouvé un équilibre, c'est-à-dire qu'elle mange pas beaucoup, mais de tout, très régulièrement, et avec trois axes principaux sur lesquels repose aussi sa santé et qu'elle aime bien, c'est-à-dire le fromage, qu'elle adore, en bonne française, le chocolat, qui est aussi un mythe fondateur chez elle, et puis le vin. She keeps herself busy too. Colette's new album will be ready by the end of April, again featuring works by her favorite composer, Claude Debussy. And then she can look forward to celebrating her 107th birthday on June 16th.